addicts. Donc, il y a ma petite Tounette qui est avec moi. Donc, joyeux Noël. Moi, je ne sais pas où je voulais mettre mon petit bonnet de Noël. Je ne sais même pas où je l'ai mis. Bah, tant pis. Tounette et moi vous souhaitons de bonnes fêtes et surtout un joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez été gâtés, que vous pouvez profiter de votre famille et tout. On est triste, c'est la fin, c'est le dernier jour du Vlogmas. J'ai quelques calendriers avec 25K, j'en ai pas beaucoup. Bon, j'ai un calendrier de l'après que, comme je vous ai dit, je vous présenterai à la fin de la semaine. Tous les jours, là je vais les faire, je vais les ouvrir. Petit à petit, et puis voilà. Donc, on est encore samedi pour moi, puisque ben, en fait, mais beaucoup plus tard que les autres vidéos que j'ai faites. Je voulais filmer cette dernière vidéo demain matin, mais je pense que ça va être ric-rac niveau temps, timing. Donc, je préfère le faire ce soir, et comme ça, au moins, ben, ça sera fait. Voilà. Donc, on va commencer. Oui, ma Tounette, allez, viens, monte. Bon, ben reste sur moi. Non, reste pas. Donc, on va commencer par la boutique du coiffeur. Donc, c'était un calendrier 24 cases. Et il y a une 25e case surprise. Donc, on s'y attendait pas du tout. Donc, c'est cool. Enfin, moi, je le savais puisque j'avais fait le unboxing. Mais quand j'ai fait le unboxing, j'ai vu qu'il y avait une 25e case. Donc, c'est une édition limitée. Donc, c'est un petit tiroir comme ça. Donc, c'est un bijou, hein. Et c'est un collier avec un pendentif soleil. Si vous verrez, voilà, ça brille et tout. C'est toujours, ça fait toujours plaisir, un cadeau de plus. Pourquoi pas? Ça, le très bien emballé. Dans le calendrier de l'Avent Beautiful Box, il y a trois cadeaux, trois surprises. Donc le premier, c'est une bague réglable. J'arrive plus à parler. C'est celle qu'on a eue dans la Gloria du mois de décembre. Voilà, et comme ça, avec un donc réglable comme ceci. Voilà. Et vous pouvez régler comme ça. Bon. C'est un doublon, mais bon, c'est pas la même box, mais bon, c'est la même boutique, on va dire. Donc, après, on a de la marque Balaboosté Paris. Alors, je me souviens plus ce que c'était ça. Oui, c'est des boucles d'oreilles. Pareil, c'est des boucles d'oreilles, mais pour les oreilles percées. Avec des petites perles. Bon, elles sont mignonnes, hein, elles sont sympas, discrètes et tout. Mais bon, voilà. Faut encore avoir les oreilles percées. Et le dernier cadeau, c'est un échantillon, enfin non, c'est pas un échantillon, c'est un parfum de poche, signature royale, lueur d'étoile en 10 ml. Donc c'est plutôt pas mal. Regardez-moi comment il est beau, avec plein de petites étoiles. Et il a l'air de se sentir très bon. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore des odeurs vanillées, donc moi ça me va complètement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais gagné un concours avec parfum, un signature royale et un très beau parfum d'ailleurs que je kiffe. Dans le calendrier de l'Avent Gloria, nous avons donc 25 cases aussi et nous avons de la marque Charlotte Tilbury le Pillow Talk Dreams Luxury Palette. Donc, c'est des ombres à paupières classées par couleur. 6 grammes. Donc, il y a un pad de 4, enfin, il y a 4, c'est une mini palette hein, de 4 fards. Regardez-moi ça. Bon, je vous mets comme ça parce que sinon, vous allez tout voir l'écran, la réverbération de l'écran. Donc, je suppose que c'est Dreams, hein, le nom. Et, alors, attendez, parce qu'il y a un miroir. Donc, on va. C'est dans les tons bronze, marronné et tout. Il y a des pailletés, des mats. Non, c'est pas mal. Plus ça, Charlotte Tilbury, une petite palette comme ça, c'est sympa quand même. En dernière case, donc ça fait plaisir. Dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique, nous avons une palette Ciaté London. Donc, I am a woman, what's your super power? 35 grammes.
Alors, c'est la même gamme, enfin, la même genre de palette qu'on a eu il y a 2 ans, je crois. On avait une palette pareille, hein. Donc, dans les violets, dorés et roses. Et voilà, attendez, il y a un miroir aussi, donc on va le cacher. Voilà comment elle se présente. Voilà, comme ça, vous verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. Bon, il y a pareil, hein, il y a des fards lumineux, il y a des mats, il y a des pailletés. Il y a un peu de tout. C'est dans les tons quand même un peu plus pour tout le monde. Je pense qu'il y a des rosés, des nudes, des... Ouais, je pense que c'est une palette qui pourrait me convenir ou convenir à peu près à tout le monde, hein. Il n'y a pas des couleurs flashy flashy. Donc, pourquoi pas? Et dans le calendrier de l'Avent Glossy Box, nous avons une palette pareille de Iconic London. Donc celle-ci, elle est plus dans les tons argentés. C'est des Doucelets Eyeshadow Palette. Palette phare à paupières détousselée. 20, donc il y a 20 pattes, 20 pattes de 1,9 g. Donc voyons voir comment elle est. C'est bon, il y a un miroir, mais il y a un papier pour le cacher. Donc pareil, c'est dans les tons nude. C'est quand même accessible à tout le monde. Il y a du mat, il y a du lumineux, il y a du pa effet pailleté et tout. Donc ouais, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal comme palette, hein. Il y a quand même des tons un peu plus foncés, plus clairs. Mais ouais, c'est possible de l'utiliser. Que tout le monde puisse l'utiliser quand même. Pareil, hein, c'est pas des couleurs flashy, donc c'est plutôt pas mal. Moi, franchement, ça aurait été du flashy, j'aurais pas pu. Hein. Donc voilà. Donc bah, c'est fini. Hein. Voilà, c'est plus rapide aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup moins. Donc on se retrouve quand même avec deux grosses palettes, une mini palette et puis pas la moindre, hein, Charlotte Tilbury, deux bijoux, non, trois bijoux et un parfum de poche. Voilà. Donc, alors Beautiful Box, c'est pas waouh comme. Voilà, ça, c'est vraiment pas waouh. Le parfum, à la rigueur, il aurait été en plus grand, ok, mais bon, c'est vraiment pas waouh. La boutique du coiffeur, on va rien dire puisque c'est quand même une case en plus. En même temps, hier, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, c'était les faux ongles, donc bon, ça rattrape un peu le coup. Pas mal pour une fin pour le Gloria. Et bah, Glossy et Look Fantastic, c'est quand même pas mal. Même si la palette Ciaté, je crois que c'était plus dans les tons rosés qu'on avait eu quand on l'avait eu la dernière fois dans la box. Donc moi je dis plutôt pas mal quand même cette case. Hein. Je vais pas me plaindre du tout. Donc voilà. Alors attendez, je regarde quand même si mon calendrier de l'après, il n'y a pas une case 25, puisque c'est le calendrier, je l'avais unboxé, hein, c'est le calendrier de Sabon. Hein. Donc oui, en fait, comme il y en a 7, il y en a une pour aujourd'hui, donc on va l'ouvrir. Hein. Donc la une, c'est celui-ci, c'est ça, le produit. Donc c'est le Clean and Polish Relaxing Lavender. Voilà comment il se présente. Voilà. Donc voilà, donc le thème du jour, ben, ça sera palette, hein. Il n'y a pas de maquillage, palette, vous remarquez, il y a bijoux aussi, mais bon, c'est plus quand même palette, hein, puisque c'est quand même beaucoup plus gros. Et puis bon, ben, c'est festif, hein, quand même. Hein, donc pour se maquiller, pour les fêtes, il y a de quoi faire. Donc n'hésitez pas vous à me dire le produit que vous préférez. Moi, celui que je préfère, à la rigueur, entre les deux grosses palettes. Je dirais celle-ci quand même, la Iconic London, parce que les tons sont quand même beaucoup plus. Je vais vous les faire voir toutes les deux. Donc, il y en a une, elle est quand même plus. Ouais, quoique. Les deux sont vraiment très bien, regardez. Voilà. Les deux palettes. Donc c'est vrai que il y a quand même des couleurs qui se ressemblent et tout. Donc, mais celle-ci est plus mate.
Donc, enfin, et plus. Non, moi je dirais quand même la iconique. Je reste sur la iconique. Voilà. Donc n'hésitez pas vous à me dire celle que vous préférez. Enfin, ce que vous préférez. Et puis voilà. En attendant, ben, je vous souhaite encore un joyeux Noël. Et puis ben, je vais faire les cases une par une du calendrier de l'après. Comme ça, je ne l'emmènerai pas avec moi en vacances. Et puis ça sera fait. Et puis je vous ferai un vlog à la fin, le 1er ou le 31. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de ces vacances si vous êtes en vacances. Profitez de vos familles, vos proches, tout ça. Prenez soin de vous. Et puis, bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo. De toute façon, j'ai la Beautiful Box que j'ai toujours pas mis en ligne, que j'ai toujours pas fait le montage d'ailleurs. Et donc voilà. Bon. Bisous, bisous, à très vite. Au revoir.